Bonjour, re-bienvenue, nous revoici totalement sur World of Warships. Bon, le Miyugi n'a pas Coucou réussi. les gens! Ouais, en compagnie de YOLO. Donc moi je refais du porte-avions parce qu'apparemment j'ai pas eu mon Attends, mais attends, tu veux 50%. que je te. Attends, mais j'ai une anecdote à te dire. Bah Parce tu qu'en peux la fait. dire en jeu. Bah non, mais en fait, là, je vais te la dire tout de suite, en fait. En fait, là, j'avais le Watatake. Ouais. Il était en Osho, comme toi. Et du coup, en fait. Là, je l'escortais, et là, il y avait des ennemis qui étaient arrivés derrière. Donc, du coup, là, j'ai fait demi-tour, là, j'ai attaqué les ennemis, genre, c'est bon, tant pis, voilà. Et mec, j'ai carrément coulé pour lui, il a survécu. J'ai carrément coulé pour lui. Ah bah écoute, c'est ce qu'il faut. Le sacrifice, Bah le pouvoir de l'amitié, on regarde des oui. En plus, shonen, en tout anglais. ça. Voilà. Molt post blow le youtubeur, tout à fait Guigui. Tapez cela. Post Mode blow. pause bra. Expérimentation sociale. il faut ce qu'il Expérience faut. sociale aujourd'hui à Paris. Nous allons voir si les Parisiens se font chier tout le temps. Alors monsieur, est-ce que vous faites chier tout le temps? Oui, je me fais chier tout le temps quand ça joue mal. Quand la team fout Ah rien et oui là. merde, la glace. Ah oui merde, il voit TV, ta clé en merde. Je vais aller à Paris. La team fout rien est-elle présente à ton avis sur cette partie-là? Alors, perso, je pense aller. Enfin, je sais pas en fait. Je crois que je vais t'escorter quand même. Je sais pas trop où je vais pouvoir me planquer moi. Hein. Peut-être en H6, quelque chose comme ça. H6, donc attends, H6. Mais mec, H6, mec, c'est dangereux, hein. Au pire, tu vas Bah, J9. je veux pas être trop Tu vas en loin non J9. plus. Ouais, J9, c'est faisable aussi, ouais. Bon, Genre, alors. allez, moi, je vais sur B. Moi, j'ai sur B. Donc, J9, il me dit le monsieur. J9. Ah putain, mais c'est super loin, attends. Ouh. Je pensais J6. J6 et puis ensuite J9. On verra ce qu'on. On verra ce qu'on peut faire. Bon, tu m'escortes, tu me disais? Ouais, j'arrive, c'est bon. Bon, alors. On va faire une petite patrouille autour de l'archipel. Je vais essayer de foutre. Jack, il m'en faut encore 17 500 d'XP avant d'avoir soit le Mutsuki, soit le Minikaze. Putain. Alors, je t'escorte avec des torpilleurs et les autres Mais mec, torpilleurs, ça on veut va les dire que tu foutre escortes ailleurs. entre nous, mais parce que moi je t'escorte et toi tu escortes avec des. Et toi tu m'escortes avec des torpilles. Ah ben, c'est Escortception. Crap. Allez hop. Oui, Moi je vais rester à côté. tout à fait, Guigui, la team pour rien, c'est un cancer, ça se répand La team partout. pour rien, c'est un cancer. Une fois que c'est. Que là, C'est là, se ça se répand répand. partout. C'est comme la maladie mangeuse de chair, comme dirait Hugo Boss. Bon. C'est quoi ta vitesse max? Hein? Quoi ta vitesse max? Quoi, des smacks? Qu'est-ce que tu me racontes? Non, ta vitesse max. Ta vitesse Oh, maximum, oulala, quoi. oulala. Ça doit être 20 nœuds, 25 nœuds? Putain, la vitesse dans Titanic, putain. Même le Titanic va plus vite que 20 nœuds, putain. Ah bah le Titanic qui était censé battre les records de vitesse de croisière transatlantique. Hein. Non, mec, c'était Mauritanie et le Lusitanie avec leurs 30 nœuds, mec. Bah oui, mais est-ce que le Titanic n'était pas censé le battre? Parce que, de toute façon, il l'a pas battu. De toute façon, Mais. le Titanic. Comment te dire, le Titanic a coulé en même pas une traversée? Bah justement, il a battu tous les records pour couler. Et mec, le Titanic, il était fait pour le luxe, pas pour la vitesse et pour le Bah, confort. il me semblait que ça faisait partie du game. Oui, le Titanic, t'avais pas 500 tonnes de Après. torpilles dans la cale, effectivement, Mais Guigui. il avait pas 500 tonnes d'obus et 500 tonnes de torpilles, oui. Je suis pas venu là pour balancer des torpilles, ok? Oh putain. Eh, ces films c'est pas pour balancer des obus, ok? Oui, mais le Titanic, il a pas. Ah oui!
Ouais, non. Mais... Guigui, moi j'ai pas que des torpilles, hein. Je crois que t'as oublié les obus, hein, je crois. Bon, alors. Je pense que t'as oublié les cuirasses. Hein. Bon, je suis sur le Kirov là. Je vais voir ce que je peux faire. Kirof, attends, le Kirof. Ah bah oui, mais il est mort. Oh putain, Eh mec, regarde! Regarde le Kirof! 50. 50, putain, 50 PV. Ah bah écoute, j'ai envie de dire c'est ça le talent. T'as combien de points, ça? Parce que mec, là, j'ai parce que mec, s'il te plaît. Alors, le DD, est-ce qu'on va pouvoir le destroyer? Bon, apparemment. Ah, les torpilles Est-ce sont que tu peux dessus. faire 3 heures? Excuse-moi, je suis occupé. Allez, Voilà. les torpilles, bordel, les torpilles. Wouhou, j'ai touché en tout cas. Bon, Ouais. ok, oui, tu disais. 3 heures japonais. En 3 heures japonais premium, tu connais qui? Tu connais quel Aucun, navire? aucun, moi je les connais pas les. Je connais pas les bateaux. La Natago. Et en 3 heures japonais et en 3 heures américain premium, il y a la Santa. Et devine quoi? Non, ils sont tous en face. Ok, merci pour le vent. Ouh putain! Pourquoi tu tournes en roue en fait? Parce que la drogue, parce que la drogue, j'ai dû virer mon pilote auto. Ok. Le Wyoming nous laisse un plan, cool. Bon, j'ai mes avions qui sont en retour là. On va essayer Ok. de voir ce qu'on peut faire. Ok, groupe 4, on y va. Groupe 4, attends, laisse-moi deviner. Groupe 4, c'est. Non, Les bombardiers! c'est les torpilleurs. Non, mais J'étais presque. le comptage des. Le comptage des groupes m'a toujours paru un peu obscur dans ce jeu. Peux pas parce que je suis obligé de t'escorter. Non, t'emmerdes pas au pire, hein, je pense que. Ah bah, au Bordel. revoir alors. Moi j'y vais. Je pense que je suis relativement safe là à l'est. Ce sont mecs qui m'appellent quand t'as des problèmes. Hein. Ouais, t'inquiète, je vais essayer de te mettre une petite escorte. Quand Attends, parce je. que le mec, je vais voir le porte-avions ennemi. Ça te dérange pas? Puis on aura une petite visite. Vas-y, vas-y. Je te mets un groupe dans 2 secondes. Ok. Alors, piou piou, groupe 2. Ce serait bien un groupe de chasseurs. Hein. Voilà, ils vont t'escorter. Ah bon mec, t'es sûr qu'ils vont pouvoir me retrouver parce que mec là je suis à 36 nœuds. Donc à peu près 50. Non, entre 55 et 60 km là. Bah, Donc je voilà. pense que mes avions vont faire entre 55 et 100 km heure. Oh, c'est tout. Au calme. Ouh, attends. Attends, je vais aller voir ça. Oula, croiseur, là, il y a 15 roues, ça me rend mes fers. 15 roues. Ah merde, mes éclaireurs sont morts, ça c'est un souci. Déjà? Les avions qui respectent les vitesses, les limites de vitesse. Coucou Je Yoni.fr. fais une vitesse. Et de l'autoroute. Mais, Jonas, dans les airs, il n'y a pas d'autoroute. Donc tu veux dire les airs, des airs d'autoroute. Tu comprends la blague? Non, blague de merde. Non, merci pour le vent. Effectivement, je confirme. Attends, hop. Le Karlsruhe et les autres. Prenez quand même, hein. Ah, allez. Bon, normalement, le Karlsruhe, il va se faire prendre dans un feu croisé de torpilles absolument magistral. Jonas valide la blague. Je veux pas une blague. Je suis trop mal placé pour critiquer ça. C'est-à-dire? Bah parce que lui aussi il fait des blagues de merde. Oh, bah comme moi, on fait bien. Peut-être qu'on est frère de blague de merde. Bon, Peut-être. allez, allez, normalement, on abat le Karlsruhe. Non, c'est moi qui veux l'abattre.
Ah bah écoute, là avec les 4 torpilles qu'il va se prendre, enfin non, il va s'en prendre une ou deux au moins. Ah Wouhou! oui. Bon bah voilà, ça c'est Hé! Hey, fait. dis-toi pas de l'avion! Ça c'est totalement fait. Jonas. Ah ouais, écoute, nous sommes tous tes frères en blague de merde, Jonas. Là, il y a le porte-avions. Tu veux, mec, là, tu peux prendre le. Là, mec, il y a une cible de choix, là, il y a un putain de porte-avions, mec. Oui, Tu m'en diras mais des nouvelles. là je suis en train de m'occuper de mon groupe qui est en train de se faire harceler par des. C'est le harcèlement de rue. Ah oui, je vois ça. Allez, on va la gagner. Je crois que t'as pas envie d'être mon frère de blague de merde. Bon, parce qu'en fait, moi, j'ai Wouhou! fait Sonic. Et en plus, je fais des blagues de merde tout le temps, donc voilà. Bon, écoute, c'est cool, j'ai réussi à ramener mes avions. Enfin, j'ai réussi à niquer les avions adverses, donc. Et de la capture. Oui? Ah. Non! RIP, les possesseurs de casques. Bordel. Merde. Ah, c'est... Où est-ce qu'ils sont les vilains? Ah, c'est pour ça que c'est moi qui aime le faire. C'est moi qui aime le faire, Cotard. C'est moi. Ouais, c'est moi. Ah, ça y est, Guigui se plaint des oreilles. C'est la violence. Une oreille? La violence audible. Non, mais quand t'as gueulé tout à l'heure, là. Ah, pardon. Excuse-moi, Guigui. Une oreille. Mais what the fuck, c'est quoi ce nouveau mot? Une oreille. Ben, n'aurais-je de mon n'assourdissais-je? Bon, Le Hocho, vous lui faites quoi là? Hein? Vous en occupez quand même, rassure-moi. Eh, mais t'es plus là toi, t'es mort! Mais qu'est-ce que t'as foutu? Ah What? non, t'es là, t'es là, t'es là. Ok. Amène le lancer ses torpilles. Ouais, je pense que les torpilles vont être où? Voilà. Voilà, c'est fait. Bon, mais il en reste plus qu'un. Oh, putain. Il reste encore un porte-avions là. Ah bah c'est bon, il est spoté. Tu crois, tu sais que c'est au moins ce que ça veut dire, spoté. Spoté. Ah là là, Jonas. Chance! La chance que j'ai eue, putain! Excusez-moi encore. Tu sais, Jonas, moi j'ai un truc pour afficher le chat, donc je pense que les gens peuvent très bien le lire par eux-mêmes. Oh oui, mon cher. Que ton compte solo. Bon, Mais c'est quoi ton pseudo en fait? C'est pas compte solo, c'est ça? Takuenso, Ta compte solo. Ce moment, ben, son YOLO, Lille, mon Wouhou! cher. Putain, on a bien réussi notre coup quand même, j'avoue. En fait, c'est plus malaisant. Un conteneur, enfin un conteneur. Bon bordel, le Myogi, est-ce qu'on va réussir à faire quelque chose avec? C'est une bonne question et je vous remercie de l'avoir Ouais, posée. là j'ai un conteneur, perso. Et c'est pas un super conteneur, j'aurais pas d'expel libre, bien sûr. Ah là là. L'ouverture des conteneurs, Putain! hein. Comme dans un certain jeu que je connais, un certain shooter qui fait mal aux yeux. Bon, moi je suis prêt, hein, quand tu veux. Attends, vas-y, vas-y, Myogi plus Congo, t'es chaud? On y va. On veut leur cuirasser la gueule. Non, on va leur zobuter la gueule. Mélange un solo et de Quen. Quen de jambon. Quen. D'ailleurs, le shooter qui fait mal aux yeux, je crois que je vais y jouer tout l'année. Bah écoute, Jonas Geek, j'ai envie de dire, mais comme tous les jours, Minus. Attends, mec, il y a des Nagato à New Mexico, à Koniga, Miyoko, à Cleveland, à Oui, Auburn, ne Munich, t'inquiète à pas, Boston. les viewers le voient très bien. Il hein. Y a Mais du ça va être 7, ça va chaud! être Ça va chaud. être chaud! Bah écoute, moi je vais pas faire le fou, hein. Je vais carrément pas faire le fou. En plus, on est sur une map que j'ai jamais faite, en plus.
Ah bah écoute, Jonas, t'y as pas joué hier, manifestement c'est suffisamment exceptionnel pour que tu le signales. Bon, là je crois que. Je Excusez-moi, crois je que me l'on coupe veut. 3 secondes. Oui. Bonjour. Mais non, c'est re, parce que j'étais là. J'ai coupé le chat. Re-Jonas. On dit Bonjour pas Jonas. Koenig, hein, on dit Koenig, je crois. Parce que depuis tout à l'heure, je l'entends Koenig, Koenig, c'est Ben, Koenig. j'ai dit Koenig tout à l'heure, Ah, moi. c'est Koenig! C'est comme C'était que. plus pour YOLO en fait que je le disais. Ouais, c'est comme Quenelle, mais avec Koenig. Voilà. Bon, Exactement. C'est moi. une quenelle, c'est un salut. C'est une quenelle inversée, en effet. Je pense que je vais me réfugier en F3. Hein. Je vais rester derrière l'île et puis on va voir ce qui se passe. D'accord. Bah, moi je serai plus derrière. Ok, Dans quel bah. moment? Alors, comment toutes les jumeaux Ah Guigui, mais totalement, Jonas mais Guy qui a pas attends. joué à Overwatch, c'est la fin du monde. Il se passe un truc tellement, tellement, tellement louche, quoi. À pas jouer. À pas jouer. C'est un annonciateur de la Bah. fin du monde. Oh mon Dieu! La fin du monde est proche! Bah, jouer à la place à River City Ransom, moi je dis pourquoi pas. Perso même, j'ai pas Overwatch, hein. Perso. Tu joues pas à Overwatch? Oui, mais tu as raison. Tout le monde a raison de ne Perso, pour pas moi, jouer la à vie, c'est vraiment Overwatch. Warships, perso. Hein. Pour moi, la vie, c'est vraiment de Warships. Bah, je me doute bien que tu t'appelles pas Battleship du 81 pour rien. Mais en fait, Battleship D81, en fait, ça, c'était une référence au film Battleship. En fait, où il y a l'US, où il y a l'USS Missouri. Un vétéran, hein, je te dis pas, voilà, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Ouais, Donc, comment te c'est le dire, truc qu'il pèse où dans le game. il me semble que ça a été reconnu comme étant un gros navet, le film, non? Oh, bah non, mec, pour mon perso, mec, je trouve qu'il est hyper cool, hein. Oui, non, mais En plus, mec, à la fin, c'est trop bien. je veux dire, moi, tu sais, je suis un fan de films de ninja, donc voilà, hein, Bah, moi, c'est plus naval. Toi, c'est ouais. ninja, moi, c'est naval. Ah. Est-ce que les ninjas navals ou est-ce qu'ils gargarisent? Telle est la question. Bon, t'es où toi? Ouais, t'es Nagato! dans le coin. Ouais, mais le Nagato, il est trop loin pour moi. Aïe! C'est quoi, t'as porté, mec, morceau? Moi, c'est gentil. Ah! Ah ouais, Jonas, je crois que niveau mauvais film, nous ne t'arrivons même pas à la cheville. Hein. Et je ne parle même pas des mauvais jeux. Les films de ninja malgaches, mais totalement guigui. Alors, bordel. Des films de ninja malgache. Ok. Ça aime les mauvais films et les bateaux. Oui, tu sais, j'aurais déjà répondu tout à l'heure. Hop, putain. Ouais, mais en même temps, moi je l'ai vu ça, c'est Je faux. crois que j'ai jamais fait cette map. Je suis en train de me dire. En plus, c'est le Havre. Ouais. Le ville. Bon, je focalise le conique parce que voilà, parce que je peux. Le König. Oui, Et c'est ce monsieur que Koenig j'ai dit. Citadel, au revoir. Au Ou. revoir, monsieur Koenig. Au revoir, monsieur Koenig, monsieur Koenig Citadel. Ah, merde. Putain, la déflexion, j'ai mal calculé. Au revoir, je fais demi-tour. Bah écoute, oui. On n'a pas vocation à être en première ligne, hein, comme dirait le stagirite. Moi, ça fait déjà un moment que je suis en train de tourner derrière mon île, tranquillou. J'ai envie de dire Feuerfrei. Allez. Oh, allez! Je la laisse! Du calme, Ah! du calme, du calme. Menaçaï! Yamete, Steve! yamete, yamete. Bon alors, le König, qu'est-ce qu'il nous fait le König? J'ai l'impression que le König est un peu loin pour moi en fait, mais. Là, pour moi, après, pour moi, là, il est à la limite. Ouais, Là, c'est genre mon avion, là. donc là, je pourrais lutter là-dessus encore. Et là, de toute façon, il vient de disparaître pour J'ai moi. Je sais perdu. même pas si je vais lui arriver Allez. dessus. Ah merde, putain, ça tombe Ah, à il côté. réapparaît. Ouais. Oh putain, mais là, il est à l'extrême. Là, je vais son avion dans le cola. Tu as la laisse? Non. Bon, on va voir, on va voir. On va voir. Bon, bah Ah, tu sais ce ceci. que ça veut dire, Gyudaides? Non, non, j'ai arrêté les.
J'ai arrêté les Ouyabouismes il y a un moment. Ah, le Nagato. Je suis sur le Nagato. Je vais voir ce qu'on peut faire. Oh. Bah en fait, mec, le Nagato, il a des 410 mm. Hein, donc, voilà. Nous, on a, tous les deux, on a des 356. Donc, voilà. Ah, bah, eh. Ah, merde. Putain. Hey, moi, c'est cher. Il y a Jonas Geek qui te demande quel mot tu disais. De l'Aïdès, c'est ça? Guillaudaïdès. Ça veut dire des torpilles. Ah. Ça veut dire torpilles en approche, en fait. Mm. Et en fait, dans la marine japonaise, quand on dit que Guillaudaïdès, ça veut dire torpilles. Et en français, ça veut dire torpilles en approche, en fait. Si je vous traduis ça. Ouais. Faut dire que le en approche, on s'en fout un peu. Je veux dire, ah, torpille ! Tu te doutes bien que c'est pas, oui, une torpille dans son lance-torpille. Moi, j'aime bien dire que Guillaudaïdès quand il y a une torpille. Putain, le Nagato, il est trop loin. Le Nagato, il est trop loin. J'arrive. Ça, c'est très chiant. J'arrive, mais j'attends. Ah, merde. Bon, on va essayer de faire quelque chose avec le Nicolas. Giorai. Ah, Jonas Geek me dit que c'est Giorai et pas Giodai, en fait. Bah, en fait, ça dépend de la prononciation. Jonas, en fait, ça dépend des sources, en fait, parce que après, je sais pas. Hein, parce que moi, je dis Giodai, mais voilà, parce que moi, je suis référencé des animés, hein. Lol. Et du coup, les animés me disent Giodai Des. J'ai pas souvenir, mais je n'ai vu que High School Fleet. Hein. Oh, sérieux, tu le connais, putain. Oh, bien enfin, sûr. Hein. Oscar. Ah bah quand enfin, même. Oscar. Ah mais et, je veux dire les vrais gars qui jouent à ce jeu là, forcément ils ont vu High School Fleet. Il y a c'est un complexe, c'est obligé que tu connaisses Arpeggio en Blue Steel là. Par contre là c'est obligé. Bah, j'en ai entendu parler mais je ne l'ai pas regardé. Et il y a beaucoup de gens qui m'en ont dit du bien et qui disaient que ouais voilà par rapport à Mais en fait, mec, après Job Boosty, mec, c'est bien, mais c'est le scénario qui est un petit peu chelou, en fait. Ouais. Tout est parfait. Je n'utilise pas les modèles mentaux, hein. Donc en fait, ce sont les personnages qui incarnent les navires. Hein. Ouais, je suis pas très. Je suis pas très magie, tout ça. Oh là, mais du coni. Oui, non, mais Jonas Geek, je ne sais pas s'il a vu Kodomo no Jikan et beaucoup de Pico, mais en tout cas, il a vu des choses. Il a tout à fait vu des choses. Premier titre, deuxième, Kanji. Kanji, tonnerre. Ah bah, c'est le mec. Poisson tonnerre. Kodomo no Jikan et beaucoup de Pico. Je m'en dis. Merde, putain, le Nagato est trop loin. Le Nagato est juste trop loin. Bah, en fait, moi, il y a ma extrême portée, enfin, du coucou. Et exactement. Pourquoi ils sont en haut, en fait, parce que... Exactement. Attention, les ennemis sont en train de charger les torpilles, nanani, nanana. Bon, putain, ils sont tous trop loin, quoi. Bon, je ne sais pas ce que t'es en train de bricoler. Ouais, excuse, parce que, mec, si je parle pas tout. Parce que, mec, là, je suis en train de manger en même temps, là. Ah bah oui, bah forcément. Mais ça, Jonas, il peut pas comprendre. Jonas, il est obligé de s'arrêter pour faire à manger, tout ça. Ils sont en train de charger les torpilles dans le film, les torpilles. Ouais, juste dire torpille, c'est trop long, évidemment. Que d'ailleurs, la force. Bon, alors, putain, les mecs, ils sont juste à la limite de ma portée, quoi. À croire qu'ils craignent que je leur cause du mal. Ah, par contre, ouais, gaffe, parce qu'au nord, là, il se passe des trucs, hein. Je vois. Sans vouloir vous mettre la pression. D'ailleurs, je crois que je vais plutôt tourner par là. Bon, et si là, il y a un mec qui veut. Donc là, en fait, là, il y a un mec qui veut que je défende la base avec toi. Bah, je crois que ça serait une bonne idée parce que. Franchement, ça sent le fion et pas comme j'aime. Là, j'arrive, là. Oh putain. Bon, évidemment, je me fais doser.
Bon, faut que je fasse le tour de la... Faut que je fasse le tour de l'île, parce que sinon j'aurai jamais la place pour manœuvrer dans cette merde. Et mec, 7 canons doubles de 356 mm, marque quoi ? Marque 1 comme sur toi et marque 2 sur moi, contre 4 tourelles doubles de 410 mm. À ton avis, c'est qui gagne ? Ce qui compte, c'est le talent, voyons. Ok, le mec, il défonce tout. Je me sens quand même particulièrement inutile non, hein, sur mec, cette c'est partie. Un stop, mec. C'est un agathoscope. Bon, je fais le tour de l'île et j'arrive en renfort. Hein. Ok, ok. De toute façon, si je tire, d'abord mettre tout et après. À la moitié du temps de rechargement de mes deux tours à l'avant, plus tard, mais mes deux tours à l'arrière, je pense. Je pense que ça va être chaud quand même pour moi parce que j'ai quand même bien mangé. Oui, hein. Ah, le Nagato, je vais peut-être pouvoir tenter quelque chose dessus. Allez, est-ce que ça le touche? Est-ce que ça le touche? Non, putain. Ok, je pensais qu'il serait plus rapide que ça. Bon, c'est pas grave. En tout cas, j'ai à peu près ajusté mon tir. Et j'arrive en renfort. Aide-moi aussi, chien. Et... J'ai 5 complètes, en fait. Voilà. Dis mec, est-ce que je fais kamikaze? Non, fais pas le fou, t'as pas le match-up. Ah. Putain de Nagato avec 410 mm de merde. Et mec, en plus dans les animés que je regardais avant que j'arrive sur ton stream, le Nagato c'était un navire secrétaire. LOL. Secrétaire? Des cannes-colles. Ouais. En fait, là, dans l'animé que je regardais, les navires étaient représentés par des filles. Ah oui. Arpeggio Augusti. Il y a Nanera, et tout s'arrêtera là. Ouais. Allez. Kantai Collection ou Pancos. Oui, voilà, c'est Kantai Collection auquel je pensais, que je crois que j'ai déjà, mais... Ouf. Bon. Si tu veux regarder Kantai Collection, je te conseille Crunchyroll. Hein. Ça, tu auras des pubs, mais au moins ça passe. J'aime pas Crunchyroll, mais ouais. Les gens sont tout à fait libres de s'en servir. Passe, allez, on y va. Non, allez. Et mec, là, je suis parfait pour faire le kamikaze, hein, je te jure. Mais je vais pas le faire. Oh, fais pas le fou. Je te soutiens pas mal, là, mais... En même temps, j'ai l'impression que je le perce pas. Enfin, t'essaies de me soutenir. Hein. Ouais. J'ai l'impression que je le perce pas, c'est une... Allez, putain, mais fais une putain de citadelle, putain, allez, s'il vous plaît, mes petits obus AP. 356 mm, s'il vous plaît. Oh, merde, putain, il m'a niqué ma tourelle, ce connard. S'il vous plaît, faites que ça touche, putain. Allez. Bim, allez. On l'a bien touché et pas qu'une fois au chalet. Oh là, je parle de thé. Là, je barre le thé, là c'est parfait. Putain, mais ça veut pas citadelle. Bah, tu fais le fou, toi, là. Mais non, là, je fais pas le fou. Là, je suis parfait, là, pour faire citadelle. C'est juste une impression. Allez, bordel. Ah non, c'est pas vous. Ah merde. Il me vise. Bah, oui, bizarrement. Là, une petite allée. Allez, mais putain de canon là, tournez. Allez, putain. Et les putains de canons. Oh putain, mais je regarde. Ah putain, je le rate. Attends, mais regarde la scène. Regarde la scène que j'ai fait là. Putain. Allez, s'il vous plaît. Est-ce que ça va le choper? Oui. Oh, bon. Bien joué. Putain, c'était chaud. C'était chaud bouillant. J'ai pas une kamikaze. Hein. Ouais, bah écoute, bien joué. Bien joué sur ce coup-là. Alors, ça parle de cancol, je ne connais pas. Coucou Juggernaut, sois le bienvenu. Alors, attends. Les bières sont au frigo. Cancol, je sais.
c'est bien, il y a des potes qui jouent, c'est rigolo. Oh, bah ouais, dans le chat. Bah, en fait, Ten Call de base, c'est un jeu sur ordi, mais il y a quelqu'un, je ne sais pas qui, il a traduit un animé. Ah, là, c'est égalité, mec. Je crois qu'il y aura assez pour nous, deux pour eux. Ok, merci pour le vin. De Discord, parce que voilà, Discord ça fait chier, Discord c'est le chétan, Discord c'est le mal non tout 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 piou piou piou. Heureux, 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 1, 2, 1, 2. Ah, Discord est encore en train de se lancer, bon, tout va bien. Hello. 1, 2, 1, 2. Tu m'entends? Le Discord fait de la merde, comme d'habitude, quand j'ai des problèmes d'USB. Et probablement que la caméra est figée. Je vais pouvoir donc me foutre laptop à l'air. Alors. Bah écoute, ah putain, ils sont quand même en avance. Hein. Ils sont quand même en avance, faut pas qu'on fasse trop les foufous. Hein. Mais j'ai pas réussi. Oui, totalement figé dans la position du charisme. Merci de me rassurer, Guigui. Évidemment, les positions du charisme, ça me connaît. Mais enfin, il y a le gâteau encore. Ouais, ouais. Ça, sur New Mexico. J'ai envie de pousser un peu vers leur point histoire de leur mettre la pression quoi. Bah mec après y'a personne qui défend. Écoute. Plus, voilà. Attends. Je vais balancer mon avion. Déjà ça va me faire un petit peu de reconnaissance et on va voir ce qui se passe. Question con, on peut dire à son avion de spotting où aller quand on est cuirassé? Parce que je me demande en fait si ça serait pas une utilité quoi. Ah bon, le New Mexico, je crois qu'il n'y a que le New Mexico qui tienne. Ah merde, je vais être coincé par l'île. Fuck. Bon. Zoup zoup zoup. Où est-il? Ah. Bah, pardon. Il est derrière des îles. Bah. Ouais, ouais. Point, ça, là, c'est mal fait. On va voir ça. On va voir là, ça. Mexico aussi. Alors, le but du nez, il a combien? 9 secondes. Allez, on va dire ça comme ça. Dédé, il est casé. Ouais, ouais, je vois que le Minekaze est là. Il doit avoir balancé des torpilles. Ou alors ça va pas tarder. Tiens, bah. Ah bah oui, évidemment, je vais toutes me les prendre. La la la. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Non, le Jedi mort. Venge-moi. Achète pas. J'avoue que là c'était assez moche. Et bah écoute, pour le coup tu vas être la vedette de cette fin de partie. Oui, le dernier aussi. On va voir ça. Tout le monde voudra une part de moi. Bah là c'est quand même un peu. Enfin, il a bien joué son coup le Minekaze, hein, j'avoue. J'avoue, il a très bien joué. Pour cela, j'ai eu un fou. Je doute fortement que nous gagnions. Là, je vais garder ma salve. Au Minekaze. Mec, par contre, là, t'imagines si j'ai réussi. Ah merde, c'est vrai le temps. Mais mec, t'imagines si j'arrivais à. Ah bah, si t'arrives à clutch tout. Je dis pas tout seul, mais avec le pauvre gars qui est avec toi, je veux dire, ça sera bien joué. Hein. Ouais, non ou pas. Bah, c'est... Il est avec moi là. C'est le moment de faire brûler ton cosmos. Et quel cosmos? Non, mais c'est une expression. C'est un truc que les chevaliers du zodiaque, tout ça, cherchent pas.
Des trucs de vieux. Bon, mais le Minekaze a pas l'air de vouloir montrer sa gueule. Hein. Ouais, j'avoue. Oui. Au revoir. Voilà, on a perdu. Putain. J'ai survécu. Ouais, ouais, mais j'arrive pas à gagner avec le Myogi, hein, c'est chaud. Bon, bordel, c'est pas que j'insiste, mais j'insiste. Non. Bon, si tu voulais bien prendre un truc tier 4, ça serait peut-être bien, parce que là, là j'étais bottom tier ou pas loin, c'était un peu la misère. Hein. Si t'as encore du tier 4. C'est quoi d'ailleurs ton tier maxi? Tier 5. Ah, bon, bah ça va encore. Attends, donc là j'ai un cuirassé Amalka, j'ai un DD. Prends ce que tu veux du moment que c'est tier 4. C'est tout ce que je demande. Pourquoi le tier 4 c'est obligé. Je veux prendre mon Congo, s'il vous plaît. Écoute, d'accord, mais je me cache derrière toi. Oh putain. Ah bah écoute, hein. Attends, un truc. Non, parce que être bottom tier, c'est bien marrant 5 minutes, mais... Voilà. Voilà. C'est bon. 3, 2, 1, action stations. Voilà. Mais pourquoi tu prends pas ta récompense de la campagne? Hein? Et pourquoi tu prends... Mec, je regarde ton live, là je vois que t'as une récompense. Tu peux prendre une récompense et tu peux prendre un conteneur. Oui, oui, mais je garde ça pour la fin de la VOD. Pour que préserver le suspense, hein. Oh. Le suspense de cet épisode numéro 70 est totalement présent. Je déteste cette map. Grande course. Oui, je crois que c'est un peu le bordel là. Oui, parce qu'en plus là c'est en mode épicentre. Ah putain, ouais. Bah écoute, on va se foutre sur la gueule, mais moi je resterai derrière. Hein. Moi, je suis en top tier avec le New York. Bah, écoute, tant mieux. Toi, tu fais face à un Kaiser. Kaiser Sosé. Ouais. Il y a deux Congos. Il y a trois Congos dans l'équipe adverse. What the fuck? Depuis quand il y a autant de Congos? Depuis quand il y a le Hendek? Je vais probablement me cacher en E9. T'es sûr? Derrière l'île. Parce que voilà. Après, tu vas rien foutre. Hein. Ah bah, je vais rien foutre. De toute façon. Bah, tu sais que ton objectif, c'est de rien foutre en fait, mais tu vas rien gagner. Non, mais je suis bottom tier. Je ne cherche pas à échapper à mon rôle. Non, c'est-à-dire bottom tier? Bah, je suis des tiers le plus bas de la partie ou pas loin. Parce que les autres. Le plus bas tier, mec, c'est un Saint-Louis. C'est quel tiers? Parce que si tu crois que je connais les tiers des trucs rien qu'à leur nom. Non, Saint-Louis, c'est un tiers 2. Ah bah, mec, je connais par cœur. Hein. Ah mec, tu me dis, allons Navia, dis-moi allons Navia. Non, mais tu peux le connaître par cœur. C'est le principe, c'est que moi, je ne le connais pas par cœur. Donc ça ne me dit rien. Ah! Ok, donc petit Danaël vient là, un petit copain anglais. Oh, il s'est fait une petite ADN. Oh, il a disparu. Vos lunettes ont disparu. Ah putain, c'est arrivé juste derrière lui. Bon, déjà, je vais préparer mon affût. Je ne te suis pas, mec. Non, mais je ne te suis pas, ne t'inquiète pas. Pourquoi j'ai l'impression? Non. Je t'ai dit, je me cache en E9. Hein. C'est le programme de la soirée. Le programme de la soirée, se cacher pendant toutes les parties. Ouais. Ah bah. De toute façon, je vais certainement servir à rien en me sacrifiant en 2 secondes. Donc. Mec, si tu coules d'abord un ou deux navires avant, et que après tu te sacrifies en coulant en même temps un navire. Par exemple, si tu coules d'abord les deux portails et que après tu coules un pot de chip. Oui, là, oui, c'est sûrement ça qui va arriver. Oh là, le Congo là. Fais demi-tour. Ah, le Émile Bertin.
Émile Bertin, on y revient. Le retour du français. Le retour du français kamikaze. Le retour du rap français. Ah, le retour de Booba. Non, c'est Kerry James, ça. Non, Booba, c'est le rap français, je le ressuscite, je le réenterre. Wesh, alors. Non, non, pardon, pardon, mais non. pas de Jules, s'il vous plaît. Bon, alors, le Émile Bertin, est-ce qu'on lui fait sa fête? Est-ce qu'à un moment, je vais avoir une salve? Dans les cachets de paille! Dans les cachets de paille! Non, non, calme-toi. Prends tes médicaments. Vitesse de retraite maximale. Tu vois ce que je veux dire, non? Cet engin a même l'ABS et un système électronique. Bon, est-ce qu'on va avoir des canons? On a des canons, on y va. Bon, ceci dit, le Congo, je pense que ça sert à rien que j'essaie de le percer. Mais qu'est-ce qu'il faut à 1330 PV? Eh ben, il a tout compris au game, apparemment. Cache. Deal, t'es con. Allez, est-ce que ça lui tombe dessus? Ah, ça passe à côté. Ah là là. Bon. Je suis pas en Congo, s'il te plaît. Bon, j'essaie de choper le Congo. Ah. Il y a Guigui qui me dit qu'il faut te donner du Xanax, peut-être, effectivement. Ouais. Guigui donne. Aïe, putain de citadelle de merde. Ah bah, voilà ce que tu prends à faire le foufou là. Voilà ce que je prends à chaque fois que je parle japonais. Ah voilà, ça demande trop de concentration. Trop de YOLO, tue le YOLO. Trop de japonais, tue le japonais. Allez, allez, allez. Non. Ah putain. Trop d'anticipation, tue l'anticipation aussi. De japonais, tu le japonais. Ah putain, ils sont tous retournés derrière leurs îles. Le Kwasa Kwasa est présent. Le japonais, tu le japonais. Allez, les mille Bertin, on va bien lui en mettre au moins une petite praline là. Et moi je vais Zoma. Oh, oh, il y a CV, il est porte-avions. Mec, moi je tiens sur un porte-avions. Hein. Ah bah écoute, t'as bien de la chance. Mec, tu verras comment ça fait du bien la portée qu'on a, les 21 km de, ça, tu verras comment ça fait des miens. Hein. Ah bon, oh, j'aurais jamais deviné. Bon, alors là, tu vis ce qu'il y a. Je suis entre le Congo et le Kaiser Soze là. Congo et Kaiser, ok, je suis gros sur le Congo. Elle vient putain de feu. Je vais tirer au milieu du tas de connards et puis on va voir ce qui retombe. Oh oh. Oh là, il y a les mille Bertins. Bon, j'ai. Oh là, les Bertins. Voilà, j'ai touché un petit peu le Congo. Oh. Oh, même des Émile Bertin. Eh, il bloque sur une île. Émile Bertin, le libertin. Au milieu, là. Ouh, oui, je vais essayer de m'en... Ah, bah voilà, ça c'est fait. Ok, les potes sont là. Peut-être qu'on n'a pas la team Fourien avec nous, pour une fois. Ouais. Peut-être qu'on a la team Killer. Ouais. Allez. Oh, mais... Oh, putain, lui. Merde. Je sais pas d'où j'ai mangé quelque chose, mais j'ai mangé quelque chose. Ah, bah, ça vient peut-être du... J'ai tellement mangé quelque chose qu'on croirait un stream de Jonas. Qu'est-ce que t'as contre le stream de Jonas, toi? Non, mais... Parce qu'il est tout le temps en train de bouffer, en fait. Donc, J'ai envie de dire... Oh, c'était que j'aurais pas aimé.
J'ai envie de dire le... Putain, 249 PV sur le bas. Ah putain. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon voilà, les gens l'ont fini à la main, ça c'est bien. Bon bah écoute, pour l'instant on est vaguement en avance et je ne suis même pas encore mort, donc tout va bien. Bah quoi mec, là je dois en appuyer parce qu'en fait là je vais me battre contre les deux cuirassés là. Oui non mais arrête de faire le fou toi aussi. L'équipe ne s'en portera que mieux. Bon, Loma... Là je peux le faire parce que là mec on va gagner, là je peux le faire. Bah non. Non, tant que c'est pas gagné, c'est pas gagné. Bon, alors je vais essayer... Mais en plus, là, il bat en retraite. Ouais, mais peut-être qu'ils battent en retraite pour t'attirer vers leur pote DD qui traîne. Bon, il n'y a pas de DD, mais tu comprends ce que je veux dire. Oh. Non, parce que mec, Loma, il est presque mort. Oh non, ça, clairement, Loma, il est presque mort. Ça... Et mec, tu sais, c'est qui a mis la citadelle? Non, c'est toi, au hasard. Et Bibi. Bah écoute, tant mieux pour toi. Tu veux une médaille? Oui, s'il vous plaît. Eh ben, c'est pas moi qui les attribue. Excusez-moi pour avoir fait. Bon. C'est Bibi qui a fait tout le boulot. Voilà, c'est Bibi qui a fait tout le boulot. Le Kaiser, on va s'occuper de lui un petit peu. Bibi qui a fait tout le boulot, et hop là, une surpeine. Ah merde. Allez, tu es en surpénétration. Bon, j'ai un peu trop. Et mec, un conseil, quand t'es dans ma situation, essaie de te mettre face à eux. Ouais, bien sûr. Mais être face à eux, c'est gentil, mais tu vois, s'il faut que tu te barres, tout ça, bon. Ça peut être problématique. Ah putain, le Kaiser, je le rate de peu. Ah, bah j'ai quand même un petit peu touché. Allez hop, j'ai plus de réparation. Là, si je meurs, je meurs. Là, je vais faire le kamikaze. Bah non, mais fais pas le fou. Je vais pas être là pour te protéger si, tout le temps. Obligé. Si je le fais, on va gagner. Tu veux que je m'occupe du Congo ou du Kaiser plutôt? Kaiser. Je vais pas pouvoir m'en occuper longtemps. Ah merde. Non, tu disais Kaiser, bordel, j'ai fait le Congo. Bon. J'ai fait le Congo. Pas grave. Merde, bah, le Kaiser non plus, je vais pas pouvoir m'en occuper longtemps, ils sont en train de se refoutre à l'abri là, on peut pas les toucher hein, de là où ils sont. Putain, bah, en plus il te reste pas de vie quoi. Ah, remets-toi de la vie au lieu de faire le couillon. Je peux plus. Ouais, bah là moi je peux plus t'aider non plus là, ils sont à l'abri des îles. J'ai fait le congoïde exactement, Jonas. Oh putain, le Kaiser sosie, c'est violent. Il y a un Kaiser sosie, t'as fait le congoïde. What? Non mais parce qu'il y a le Congo, congoïde. Tu connais pas les skins? C'est un mec qui tripe sur les caucasoïdes et les congoïdes. C'est un mec complètement au schnapps. Et du coup voilà, on rigole avec les congoïdes, les caucasoïdes. Bon, du coup, t'es mort, c'est ça que t'es en train de me dire. T'es mort de manière bête en plus, hein. Oui, mais au moins j'aurais tué deux navires, au moins. Eh ben écoute, c'est tant mieux. Tant mieux. Par contre, on va essayer de se placer stratégiquement. Je crois que j'avais coulé un Oma et puis un Émile Bertin, je crois. Ah, l'Émile Bertin de tout à l'heure, oui. Bah, bien. J'ai tué Loéric X et Volkelin. Bah écoute, t'as mieux fait ton taf que moi pour l'instant, mais moi je suis quand même à un tiers en dessous, donc je fais pas le malin. Mec, s'il te plaît, venge-moi. Donc c'est le Congo. C'est le Congo le problème. Bah écoute, on va essayer de voir ça. Oh. Pour le Congo, il y a juste des porte-avions en fait. C'est juste le Congo pour me venger, c'est bon. Ok, bon bah écoute, on va essayer de pas trop faire le fou. Ah, le con, il s'est foutu à l'abri. En attendant, je mange. Hein. Bah bon appétit. Qu'est-ce que tu manges de beau? Si c'est pas indiscret. Jambon et riz. Est-ce que quoi, et riz? Jambon et riz. Ah, ça peut être bon ça. Coucou. En même temps, là, je suis à la diète et je t'en ai pas plus.
Ah. Des kilos en trop? Non. Un problème d'alimentation. Ah. Coucou Midgard Watt, sois le bienvenu. Bah, j'ai envie de dire. Personne, je ne vois pas Midgard Watt. Du moment que tu n'es pas obligé de manger sans gluten, c'est le principal. Bon, c'est alors. Vrai. En fait, c'est quoi la gluten, en fait? J'ai jamais compris. C'est un truc qui se forme. Enfin, en fait, c'est ce qui est contenu dans les aliments avec beaucoup d'amidon, type pâtes, pain et les trucs comme ça. C'est une protéine. Les nuggets n'ont aucun rapport. En plus, parce qu'en fait, c'est à cause de nuggets que je suis à la diète, en fait. Ah, non, mais les nuggets, il y a du pain dedans, techniquement. Mais, ouais, d'après Jonas, c'est ce qui rend ça moelleux. Moi, il me semblait que c'était surtout ce qui faisait que c'était une... Enfin, que c'était pâteux, quoi, attends, pas... Attends, parce que là, Jonas, il a mis, c'est une protéine, c'est ce oui. qui rend ça moelleux. Oui, c'est ce que je disais. C'est un problème. Ben, moi j'aime bien que mes pâtes soient moelleuses, hein, bizarrement. perso, je préfère les pommes Nutella, lol. Oui, mais les pommes de terre peuvent être moelleuses aussi. Alors apparemment, le Congo est mort de sa belle mort sans que j'ai pu lui faire quoi que ce soit, donc il ne reste plus qu'à capturer et on va gagner. Oui. Pour moi, les patates sautées, c'est la vie. Les patates sautées préparées par ma mère, c'est la vie. Alors moi, il y a un truc que j'adore, c'est les patates, les potatoes maison. Ça, c'est mon péché mignon. Oh, bah je crois que moi aussi. Bah écoute, t'as bien raison. Il y a un truc qui est... Vous êtes connaisseurs de patates. Avec les charlottes, en général, ça part bien. Mais... Moi, j'aime bien les patates sautées avec quelques nuggets. Il y a un truc. T'es en train de te faire du mal hein, à réfléchir au truc que tu peux pas manger. Mais on va pas se torturer éternellement. Mais ceci dit, j'avoue bien que la poutine façon québécoise, j'adore ça. Tu sais, les frites avec du fromage et tout ça. Ouais. C'est tout à fait délicieux. Bon, bah alors. Nightbot, c'est un bot, c'est ça? Nightbot. Oui, c'est un bot, oui. Effectivement, comme son nom l'indique. Et si on clique sur le lien, ça va sur ta chaîne YouTube, non? Oui, c'est ma chaîne YouTube, oui, évidemment. Oh, bah attends, je vais cliquer, je vais m'abonner. Et tu t'abonnes à ma chaîne, hein? Je t'en prie. Bah écoute, on verra ça dès que j'aurai lancé mon browser, ce qui n'est pas encore le cas. J'évite de... En fait, je me rends compte que quand je lance mon browser, ça me prend le giga de RAM du mal, quoi. C'est super, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tout à fait. Oh, ton live est aussi sur YouTube. J'avais pas vu. Ah oui, non, mais ça, j'ai... Et puis, tu fais des vidéos sur les motos, Ah bah, il suit... Les vidéos sur World of Warships. Les choses se passent. Je ne fais pas que du World of Warships dans la vie, contrairement à ce que certains peuvent penser, hein, n'est-ce pas, Jonas? Bon, est-ce et que... Moi, et moi, je ne concentre pas toute ma vie à World of Warships, comparé à quelques individus qui sont mes parents. Du coup, en fait, je m'intéresse aussi aux motos, mais mon père s'en fout totalement. D'un côté. Est-ce que... Ah, bah, d'habitude, c'est un peu familial comme truc, les motos. Ouais. Bah, question bête, est-ce que tu suis le championnat MotoGP ou Superbike? Ah, bah voilà, on a gagné. Perso, moi, je suis trial. Ah, trial, yes. Ouais, mais le trial, c'est gentil, mais c'est tout le temps Doublankin qui gagne, donc... à un moment, c'est un peu lassant. Mais ceci dit, j'aime beaucoup... Ah, mais c'est impressionnant, hein, j'avoue, j'aime beaucoup. Bon, moi, bah écoute. Ça peut aller un petit peu beaucoup partout. Exactement. Bon, et eh ben écoute, c'est une fin de VOD et je vais arrêter de jouer. Donc, je te remercie d'avoir été là. Je remercie tous les nombreux viewers qui ont craqué leur RSA pour m'acheter des jeux. Et je vous. Le RSA, c'est ce que tu touches quand t'as pas de taf et pas de revenus.
Donc, tu vois, d'où le RSA, tout ça, les blagues de Mr. MV. Donc, je vous remercie tous et toutes d'avoir été là pour cet épisode numéro 70. Et on se retrouve bientôt. Si vous êtes sur YouTube, demain 10h, il y aura une nouvelle vidéo. Et puis sinon, Twitch, je pense que ça sera lundi matin. Lundi ou mardi matin. Donc, en attendant, je vous dis bisous et à ciao. Et merci d'avoir été là. Merci YOLO. Mais merci de même, hein, parce que grâce à toi, j'ai pu monter un petit peu l'XP. Et exactement, exactement. Et c'est ça qu'on aime, le beau jeu. Ciao, ciao. Salut YouTube.